propose un petit jeu. J'ai mis des ingrédients sur la table et vous allez devoir enlever les ingrédients dont nous n'avons pas besoin pour faire des madeleines. Attention, je vous montre. Les voici. Alors, avons-nous besoin de sel? Avons-nous besoin de spaghettis? Avons-nous besoin de beurre? Avons-nous besoin de farine? Avons-nous besoin de 2 œufs? Avons-nous besoin d'un beau kiwi? Avons-nous besoin de levure chimique? Je vous rappelle, la levure chimique, c'est la petite poudre qui permet à la pâtisserie de gonfler. Avons-nous besoin de ketchup pour faire des madeleines? Avons-nous besoin de sel? Avons-nous besoin? Avons-nous besoin de sucre? Avons-nous besoin d'une tomate? Avons-nous besoin de pommes? Et avons-nous besoin de carottes? Attention, je vous laisse le temps d'un générique pour trouver quels éléments nous devons enlever. Musique! Est-ce que vous avez trouvé? Attention, nous allons enlever... Bah oui, pas de ketchup. C'est pas des pizzas qu'on fait, hein. On ne fait pas du ketchup dans les pizzas non plus. Oh! Pas de ketchup. Qu'est-ce qu'on enlève encore? Ben pas des carottes, hein. C'est pas des madeleines pour lapin qu'on fait. On enlève. Ben oui. C'est pas des madeleines pour italien qu'on fait. Désolé, Gabriel. Voilà. Qu'est-ce que j'enlève? Est-ce qu'on met du citron? À votre avis? Eh ben oui. On va mettre du zeste de citron. Ensuite. Oui. On ne va pas mettre de tomate. Qu'est-ce que j'enlève encore? Je n'entends rien. Qu'est-ce que j'enlève? Farine, 2 œufs, un citron, du beurre et du sel. Maintenant, nous allons voir les quantités. Parce qu'on ne va pas mettre tout ça de sucre, hein, les amis. Non, pas bien, le sucre c'est mal. Donc, attention, les ingrédients, magie. Et nous continuons l'aventure. J'ai préparé, les amis, regardez. Et nous allons préparer tous les ingrédients. Pour ce faire, j'ai installé 1, 2, 3 cuillères et 1, 2, 3 petits bols. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Nous allons mettre les ingrédients là-dedans. Alors, je vais vous expliquer. Nous allons avoir besoin d'une cuillère de sel. Nous allons avoir besoin d'une cuillère de levure chimique. Et nous allons avoir besoin d'une cuillère... Il est où? Il est perdu. Une cuillère de mon citron. Il est où? Ah, il est là. C'est important, je l'ai lavé, parce que j'ai pas trouvé de citron bio. Donc, il faut bien enlever tous les produits chimiques. Pour ceux qui veulent, on peut le tremper dans du bicarbonate de soude. Mais moi, je l'ai lavé abondamment à l'eau pour enlever tous les produits qui sont. Il nous faudra une cuillère de zeste. Voilà, nous avons donc une cuillère de sel.
sucre chimique, une cuillère de zeste de citron. Nous allons avoir besoin de 100 g de farine, de 100 g de sucre et de 100 g de beurre. Alors, pour ça, je vais vous aider. Bon, les cuillères, c'est facile. Hein. À part le zeste, on va le faire ensemble. Par contre, les 100 g, c'est parti. Bon, nous allons commencer à faire la tarte. Non, non, vous êtes madame Nono, hein, les amis. On dépose sur la balance. On appuie pour allumer la balance. Attention, à une main c'est pas facile. Alors attention, hop. Donc vous ferez que papa et maman versent tout doucement dans le beurre. C'est parti. Pas facile à une main. On y arrive. Ouh! 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 Un petit peu. Un petit peu. Chouïa. Allez. 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 Tadam! 1-0-0. 100 g de farine. Je fais la même chose avec le sucre. C'est parti. Ce sera plus facile avec le sucre. Hein. Oups, oups. Oups, oups. Ah. Ouais, j'ai réussi. Hop. 100 g de sucre, 100 g de farine. Maintenant, 100 g de beurre. Et je fais une petite pause pour le découper, pour le mettre dans ma petite... mon petit plat. À tout de suite. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé 100 g de beurre. Je vais mettre le beurre 20 secondes au micro-ondes, ou si on n'est pas pressé, je peux mettre le beurre sur le radiateur. Un petit peu. Pour le ramollir. C'est parti. 20 secondes. Et quoi? Voilà. Il est ramolli. Ouais, on va dire qu'il a ramolli. Hein. Voilà. Et voici les ustensiles dont nous allons avoir besoin. Je vous présente un plat. Alors, nous avons ici un moule pour madeleine. Mais vous pouvez le faire dans des moules à muffins. Ça ne ressemblera pas à des madeleines, mais c'est pas grave, ça aura le même goût. Une râpe. Une cuillère en bois et un fouet. Voici. Combien y a-t-il d'ustensiles ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, on va commencer la recette. Générique ! Avant de commencer, on se lave les mains au savon. Obligé. Parce qu'après, c'est pas très propre à cuisiner avec les mains dégoûtantes. Donc c'est parti. Nous allons commencer par le zeste du citron. La râpe, un petit bol et le citron. On peut faire directement dans le plat si on a envie. Je vous montre. Alors, comment je vais faire pour faire. Et c'est parti.
et je frotte, je frotte, je frotte, je frotte pour enlever tout le zeste de mon citron. Je continue. Je frotte. Je regarde où j'ai déjà enlevé du citron, du zeste, et je frotte, et je frotte, et je frotte. Est-ce qu'il y en a assez? Je regarde avec la cuillère. On regarde. Attention. Moi, c'est pas mal. Voilà. Hop. Je dépose mon plat. Et qu'est-ce que je vais faire? Je ne me souviens plus. Je prends le plat. Et je vais sûrement casser 2 œufs. 1, 2. Ah oui. 2. 1, 2. Le schème de 2, 2 œufs. Le numicon de 2 pour ceux qui se souviennent dans la classe. 2, 2, 2, 2. J'en casse un, et comme les professionnels le savent, on casse un œuf à plat. Ça empêche d'avoir des morceaux dans les œufs, des morceaux d'écailles. Un œuf plus un œuf, 2 œufs. Hop. Et voilà les 2 œufs. Et attention, je mélange avec mon fouet. On mélange bien. Attention, et on rajoute le sucre, 100 grammes, et on fouette pour blanchir. Ça va devenir tout doucement un peu plus blanchâtre. Attention, il faut du poignet, hein. On frotte, on secoue, on mélange. Tout était dans le poignet. Allez hop. Et on y va. Et est-ce que ça va être prêt? Est-ce que j'ai bien fouetté? Attention. Voilà. J'ai mal au bras. Et ça dure longtemps. Très longtemps. C'est pas encore blanc? Si, on dirait que oui. Mais attention, je ne sais plus ce que je dis. Je disais à une cuillère de... c'était la cuillère de zeste. Et je mélange. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de mettre? Qu'est-ce qui reste? On réfléchit. Qu'est-ce que j'ai pas encore mis? Qu'est-ce que j'ai oublié de mettre dans mon plat? Je réfléchis. Regardez comme j'ai l'air concentré. Voilà. On a mis ça, on a mis le beurre. Non, on n'a pas encore mis le beurre. On a mis quoi? On a mis les œufs, le sucre, le zeste. Ah, je vais voir la recette. Et je reviens. Et on va ajouter... Reviens, monsieur David! Oh! Ah. Et je reviens avec un objet essentiel. Voilà. Un tamis. Pour tamiser... La farine, on met la farine, hop, dans le tamis. On met la cuillère de levure chimique. Voilà, j'ouvre mon petit sachet. Je mets une cuillère dans ma farine. Voilà. Et je secoue mon tamis pour faire tomber tout. Regardez, on voit que ça tombe par les petits trous. Et ma farine... Et bien égrené. Hop. Je montre. Ouais, on ne voit rien. Bravo, hein, David. On ne voit rien du tout. Oh! Voilà, je mets secoue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Je mélange. Voilà. Et là, c'est pour ça que je parle maintenant, parce que quand je mélange, ça fait un bruit pas possible. Voilà, je mélange. Et ça va changer de texture. Mais vous le verrez bien, vous, en mélangeant. Ça va devenir tout doucement une petite pâte.
Et regardez, on voit sur la table ce qu'il manque. Hop. Pas facile de mélanger sans tenir le plat. Alors là, je vais trouver une petite technique. On mélange, on mélange, on mélange. On mélange, on mélange, on mélange. Et hop, c'est parti, mon kiki. Voilà, je dépose la caméra. Là aussi, ça fait un bruit pas possible. Voilà, je mélange, je mélange, je mélange. En tenant le plat, c'est plus facile. Donc, si vous avez un frère ou une sœur, la sœur peut tenir le plat et le copain mélange. Et voilà, et puis on change. Voilà, j'ai fini de mélanger. Non, pas encore. Ah, qu'est-ce que je vais ajouter? Oh, c'est beau. J'ai bien fait ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je vais rajouter... Bah oui. Le beurre. Et je mélange, et je mélange, et je mélange. C'est reparti. Mélange beaucoup hein, quand même pour faire une recette. Et on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Vas-y, monsieur David, allez. Je mélange, je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange. Allez, on mélange. Tout. Ah ouais, j'ai fini. Ah oui, on a oublié ça. La cuillère. Bravo. La cuillère de sel. Hop. Je remplis ma cuillère de sel. Tête, tête, tête. Hop. Et après, devinez ce que je fais. Je mélange. Et je mélange, et je mélange. C'est parti. Voilà, voilà. Comme moi, j'ai pas de copain pour m'aider à tenir le plat, ben, je le tiens tout seul. Voilà. Je mélange, je mélange, je mélange. Je mélange, je mélange. De mélange, je mélange. Je mélange. Attention. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là. Voilà. On enlève la cuillère. On va le mettre dans le frigo pendant 2 heures. Mais il faut mettre un petit film plastique sur le plat. Donc, je prends du film plastique. Et ça, c'est énervant. Voilà. Vous allez voir, je n'y arrive pas. Je ne sais pas le déballer. Il m'embête et ça m'embête. Voilà, ça m'embête. Alors là, j'essaie d'arracher le petit bout qui n'est pas parti. Voilà, est-ce qu'il vient? Non, je chipote. Hop, ah, ah, le v'là. Attention. Non, pas encore. Oh, aïe, 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 c'est énervant. Ah, je vais, j'y suis arrivé. Et j'emballe mon plat. Hop. Et hop, c'est parti pour 2 heures dans le frigo. 2 heures, c'est 2 tours d'horloge. Et mon frigo se trouve évidemment dans la cuisine. Donc hop, hop, j'ouvre le frigo qui a été lavé, il est tout propre. Et hop, c'est parti pour 2 heures. Non, non, je ne sais pas ce que je dis là. Je ferme le... Ah, 2 heures, voilà. À tantôt les amis. Alors les amis, comme vous pouvez le voir, la pâte a changé de consistance et je vais remplir mes petits moules. Voilà. Avec des petites boules, des petits morceaux. Voilà. Et voilà. Et voilà. Oh, il n'y en a pas assez, hein. On est bien d'accord, il n'y a pas la même chose que dans les autres, hein. Voilà. Ne vous tracassez pas la cuisson. Ça va prendre la forme du moule. Voilà. Oui, j'ai pris le téléphone, hein, comme vous avez vu, avec la caméra, la GoPro, le son est catastrophique. Donc voilà, comme j'ai pas envie de refaire tout, parce que j'ai plus de citron, de toute façon, voilà. Bien obligé. Hein. Donc, on va se rappeler, 2 œufs,
dans les pots 100 g de farine, 100 g de sucre et 100 g de beurre. 3 cuillères, une cuillère de sel, une cuillère de zeste de citron et une cuillère de levure chimique. Alors, on ne gaspille rien. Obligé, je m'attaque celui-là, c'est pas beaucoup. Voilà. Hop. Alors, l'idéal, c'est de remettre encore une demi-heure au four. Au frigo. Au frigo. Donc, en attendant, vous faites préchauffer le four à 180 degrés. Ça veut dire que papa et maman vont allumer le four, qui est froid, et qu'il veut le four à chauffer jusqu'à 180 degrés. Et quand le four est chaud, on met 12 minutes dans le four. Mais en attendant, on laisse une petite demi-heure au frigo pour encore reposer. Voilà. On a brûlé le frigo. Voilà les amis, ça ne peut pas faire. Hein. Donc, une demi-heure de repos dans le frigo. On fait préchauffer le four à 180 degrés et puis on enfourne 12 minutes. Je reviens vers vous dès que c'est cuit. À tantôt les amis. Et voilà les amis, regardez comme c'est beau. Yeah. Belle madeleine d'amour. Bon, alors, il faut les démouler. Hein? Je prends une deuxième manille. On les démoule et on les laisse refroidir sur la grille. On laisse refroidir. Coucou! Et puis on mange. Bon appétit, les amis!